Salut, Serka. Aujourd'hui, nous allons faire continuer notre aventure sur Horizon Zero Dawn. À battre des machines et faire quelques missions secondaires. Bon, pour l'instant, nous pouvons pirater quelques chevaux, quelques chevaux. C'est. Ou autre. C'est comme vous voulez, quoi. Si vous voulez pirater plus ou si vous voulez pareil, pirater moins. Mais malheureusement t'auras pas les composants quoi, et après voilà quoi. Tout simplement, mais là on va pirater un galopeur. Je veux dire voilà. Bon, on va cueillir des fleurs. Je vais tester le dispositif de piratage. Les trucs de soin là. Merde, là, je peux pas. Terre. Ok. Bon, je me cache maintenant. Hein. Oh là là, lui il me trouve facilement. Venez ici mes petits cocos. Je veux dire, voilà, venez ici. Oh, merde. Mais retourne-toi. Oh. Je suis train de faire. Ça c'est bien ça. C'est bon ça. Voilà, j'allais dire c'est bon. Ça a marché. Il n'est plus hostile. Tiens, je me cache derrière toi. Je te vois non. Monter sur son dos. Je suis là, ils sont en train de me cueillir là. Ils veulent analyser, je sais pas pourquoi. Oh, oh. Attends. Ah, merde, par là tes fesses. Bon, on y va. Ouah, j'ai volé. Oh. Allez, viens, on y va. Merde, il y a des composants là. Voilà. Il est rapide ce galopeur. Oui. C'est mieux que marcher. Bah, bien sûr, t'as vu. Je pense que c'est bon. Ouais, déjà la preuve principale pour commencer l'histoire. Et d'autres machines. Je pourrais pas toutes les chevaucher, mais je leur trouverais bien une utilité. Bah, bien sûr. On peut pas les chevaucher, ça c'est sûr, mais on peut faire bien quelque chose avec. Ok, allons-y. Ah, marchand, qu'est-ce que tu vends toi? J'espère que tu rends pas de la merde. Non, c'est bon, tu rends pas de la merde. Hein. Mais par contre, c'est cher. Par contre, chez toi, monsieur. Monsieur. Ouais, il me faudrait ces vieux, des vêtements violets, quoi. Mais après, tout ira bien. Il faut mille... Ah ouais, mais non, je peux tout acheter de... Non. Ça, c'est sûr. Clair et sûr. Ok, et arme, t'as quoi, toi? Arme carja. Ah ouais. T'as la moitié ce qu'il me faut. Bon, on va garder nos sous hein, pour acheter autre chose et voilà. Le truc combat.
Juste derrière le port. Attention ! Les portes sont défoncées. C'est prêt. Varl, je suppose ? Est-ce que j'hallucine ? Où est-ce que tu étais sur ce galopeur quand tu as franchi la porte ? En effet, c'est... c'est une longue histoire. J'imagine, oui. Quelle drôle d'époque, pour ceux qui ont survécu. Bien sûr que je te reconnais. Aloy, la paria qui a remporté l'éclosion. Content de voir que tu as survécu à tes blessures. La haute matriarche Tirsa dit que tu connais la route de Méridian. La capitale de l'Hélium Karja ? Mais, dis-moi, tu cherches à t'exiler ? Non. Un traître du nom d'Olin. Les matriarches m'ont nommé chercheuse pour que je le retrouve. Alors, tu dois aller jusqu'à la couronne de la mer au nord. Si tu y parviens, parle à Maréa, elle te renseignera. Compris, merci. Oui, la route est dangereuse. Depuis le massacre des guerriers, nos terres et nos frontières ne sont plus surveillées. Nous n'avons plus de chef de guerre. Ce n'est pas censé être Resh ? Seulement parce que Sona a disparu. Je partirai bien à sa recherche, mais elle m'a ordonné de garder cette porte au péril de ma vie. Alors c'est ce que je fais. Tu as dit que ce serait dangereux. Tu peux m'en dire plus ? Ce serait trop long à t'expliquer. Les assassins sont toujours là, et ils semblent même avoir corrompu les machines. Ils répandent leur folie. C'est vrai. J'ai vu ça de mes yeux. Et les bandits ? Des truands qui franchissent la frontière pour nous attaquer. D'après ce qu'on dit, ils ont un camp aux ruines en amont de la rivière. Il va falloir que je me fabrique des flèches. Tu sais que j'ai gagné l'éclosion. Comment tu l'as appris ? Les survivants m'ont dit que tu t'étais bien battu. Ainsi que Bast. Et ma sœur Vala. Ta sœur, c'était Vala ? Je suis désolée. Je l'aimais bien. J'ai même cru qu'on aurait pu devenir amis. Si on avait eu du temps. Merci. Elle s'est sacrifiée pour les autres. C'est la plus belle des morts. Okay. Tu dis que le groupe s'est fait massacrer. Comment ? Quand on a eu vent du massacre de l'éclosion, la chef de guerre a rassemblé un groupe pour trouver les tueurs. Mais dans leur précipitation, quelques braves qui voulaient se venger sont tombés. En plein dans une embuscade. Une meute de machines enragées et corrompues a attaqué les braves et les a massacrés. Sona, la chef de guerre, a mené une contre-attaque et détruit les machines. Mais les assassins étaient bien loin. Et nos pertes étaient innombrables. Tu as dit que Sona avait disparu ? Même après le massacre de nos guerriers, elle n'a pas voulu abandonner la traque. Elle a fait appel à des volontaires pour chasser les assassins. Tu ne l'as pas suivi ? Si, je le voulais. Mais Sona me l'a interdit. Elle m'a donné l'ordre de ramener les blessés vers l'étreinte. De garder cette porte. De protéger l'étreinte. Coûte que coûte. C'était il y a des jours, et depuis on n'a plus de nouvelles d'elle. Donc il n'y a aucun moyen de savoir si elle est toujours en vie. S'il y a bien quelqu'un qui peut survivre, c'est bien elle. Sona a un talent unique. Elle est comme une lance incassable face à laquelle nous nous mesurons tous. Elle semble mettre la barre très haut. Oh, tu n'imagines même pas. C'est ma mère. Je ferais mieux d'y aller. Aloy, avant de partir vers la couronne de la mer et au-delà, est-ce que tu pourrais essayer de retrouver Sona ? La tribu a besoin d'elle. Je serais bien parti à sa recherche, mais elle m'a ordonné de rester ici, coûte que coûte. Où a-t-elle disparu ? Là où nos guerriers ont été massacrés. Cette cuvette boisée, sur la rive opposée à la soif du démon. Tu parviendras peut-être à retrouver sa trace. Elle a poursuivi des assassins qui ont attaqué l'éclosion, qui ont tué nos proches, qui ont essayé de te tuer et... Je comprends, Varl. Je verrai ce que je peux faire. Ouh là 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 là. Bon, bonne nouvelle, vous avez 5 minutes de plus, hein. Je vais mettre encore le truc. Toute ma vie, je l'ai passée dans l'étreinte. Ouais, ouais. Le monde est soudain plus grand. Bon, bah c'est bien. Où est la soif du démon ? C'est là, je pense. C'est la couronne de Méridien.
Ça va être ça, hein. Si je me trompe pas, c'est derrière. C'est bien ça. Ok. Bon, allons-y. Peut-être que ça va m'indiquer tout seul. Parce que... Niveau 12, mais moi je m'en fous. Moi. Attends. Il fait tant de bruit. What? Ah, bonjour. Tout va bien, chasseur. Oula. Tu étais avec le groupe guerrier tombé dans l'embuscade? Pas exactement. Je suis pas chasseur, ni un brave. Je suis rien, enfin. Tu devrais même pas me parler. Eh bien, qui que tu sois, tu es blessé. Explique-moi. Je m'appelle Crane. J'ai voulu tenter les épreuves de la zone de chasse sur les hauteurs, tu comprends, pour m'entraîner. Et ça s'est pas bien passé. Tu t'es blessé dans une zone de chasse? Comment? En fait, je visais une bonbonne sur le dos d'un brouteur, mais la corde de mon arc s'est cassée et j'ai trébuché et... Bon, oublie ça. J'ai raté mon coup. Je voulais m'entraîner un peu. La zone de chasse est l'endroit idéal. Il y a des épreuves, des sortes de défis, et on reçoit des insignes quand on atteint des objectifs, on bat le temps imparti. Le gardien est en haut de la colline, juste au nord. On va lui parler pour en tenter une. Je suis sûr que tu feras mieux que moi. Ça, c'est sûr. Tu disais que tu n'étais rien. On fera la zone de chasse plus tard. J'ai volé un arc. Vraiment. Et on m'a banni. J'ai pas les équipements requis, j'ai même pas le droit de défendre ma tribu qui est trop de attaquée. Trucs, il faut. Faut vraiment être vigilant et tout ça. Là, quand j'aurai la fin du jeu, peut-être que je vous montrerai ça. Je suis content que le gardien accepte de me parler. Je me demande si c'est pas un exilé. Apparemment, il en a rien à faire des lois des matriarches. J'ai l'impression que tu as pas mal de problèmes. Si je peux t'aider, dis-le-moi. Non, non, ça va aller. Mon père disait toujours que la toute mère avait prévu mon destin. C'était avant qu'il se fasse écraser par un gars. Ok. Je dois continuer mon chemin. D'accord. Sois prudente. Surtout si tu vas vers le nord. Et fais un tour à la zone de chasse si tu veux t'entraîner. Peut-être un jour, je le ferai. Pas de soucis, de toute façon c'est pas ici que vous avez. C'est ici. Ah, super. Ça sera que ça va beaucoup plus vite en cheval. Hein. Un cheval. Ah, il y a des trucs là. Et trucking pour le temps. Pratique. Ah, bien ça. Et ça, c'est... Ah, il y en a plein ici, donc... Et, bah, dis donc. Le jeu nous aime bien, non, là. C'est pas souvent, hein. Des trucs ici. Une zone de chasse. Var l'a dit que je trouve des que si veut mort. C'est bon, j'ai éclaté. Éclaté aussi. Une mission encore, là. On va en faire plein de missions secondaires après.
j'ai passé le test. En fait, je ferai un jour peut-être un épisode d'une mission secondaire, parce qu'il y en a tellement plein sur ce jeu-là, donc pas de soucis que je les fasse avec vous. Même si c'est d'horreur en vie à peine. Ah, toi, je t'ai fait longtemps que je t'ai pas vu. Dangereux pour toi, étranger. Tu es en terre Nora. Je sais. L'accès est interdit sous peine de mort. Mais peut-être pas la mienne, cela dit. Mais ma sienne, de toute évidence. Qui est-ce? Un voleur, marchand d'esclaves, tueur. Le genre qui jette le discrédit sur les tueurs honnêtes. Varl m'a dit qu'il y aurait des embuscades de bandits sur la route. Oh, c'est pas toujours aussi bien. Des fois, il faut aller les chercher. Ils se font un campement et ils s'installent, comme du moisi sur de la viande. Sauf si quelqu'un décide de régler le problème. Tu me plais, toi. Suis les traînées de fumée jusqu'à l'autre côté des ruines. Je t'y rejoins. Ok. Potion, c'est parfait. Il y a aussi, j'ai oublié qu'il y a aussi les campements. Les campements. Pardon. Une des villes des anciens. De l'âge de métal. Ah merde. Merde à voir. Pas grave, il s'enfuit. C'est bien. Il me faut du stockage. Hein. Angle de chasseur. Munition à cage. Pas mal ça. Faut de la peau de renard, de la viande de. Machin. Faut que je tue plus de. Pour plus tard. Oh, le plan. Un village Nora. Tout va très bien. Je t'ai éclaté. Doucement. Il y a un brouteur, genre. Il y a deux brouteurs. Oh merde. Je vais faire fuir ces brouteurs. Je suis en train de les fuir. Oh shit. C'est ça, y'a rien à voir ici. What? On va les attendre un peu, hein. Tu es dead. Ok. Ça, c'est fait. Et j'ai fait un tour pour moi-même.
Donc on reprend l'épisode. On reprend l'épisode agité. En ce moment j'ai beaucoup de trucs. C'est pour ça que... Oh shit, waouh, en pleine tête. Ha, en pleine tête. Bon. C'est pas des flèches comme ça qu'il faut en fait. C'est grosses flèches bien faites. Bon, assez perdu du temps les gens. Hein. Je sais que vous voulez voir la mission principale ou la mission secondaire. Enfin, c'est la mission principale là que je vais vous montrer, mais... Parce que c'est la piste du chef de guerre. Bien de mission. Ah oh, merde. Examiner le champ de bataille. Ouais, ouais. Bon. Le chef de guerre a peut-être laissé quelque chose. Un indice sur l'endroit où elle est partie. De nombreuses machines. Contrôlées par les tueurs. Ils ont envoyé tout un troupeau en bas de la pente. Les Nora ont réussi à abattre un corrupteur, mais pas avant que les tueurs l'aient utilisé pour leur envoyer d'autres machines. Qui est fatiguant? T'as fini ta partie? Bah oui, j'ai fini ma partie. Ça s'est bien passé? Ouais. Tu as tous écrasé? Ouais. Avec une bombe... Tu triches? Ah, non. Non, non, je triche pas moi. Je triche pas moi. Ah, attends. Je sais pas que tu l'avais activé. Ah bon? J'ai vu quand je suis parti. Ah bon. Les morts et les blessés ont tous... Non, je les ai tous écrasés avec une bombe nucléaire. Ils sont tous morts. Je suis seul. Tu es blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant de choses. C'est la folie ici. La chef de Gersona m'a nommé messager. Je ne sers à rien dans cet état. Varl m'a dit que la chef de guerre avait suivi les tueurs. Elle les a trouvés? Je sais pas. On a suivi leur piste, mais on était sans arrêt attaqués par des machines corrompues. Mes blessures commençaient à me ralentir. Alors la ah bon chef de guerre m'a renvoyé dire aux autres qu'ils poursuivaient. Oui, je l'entends, oui. Et bah, c'est les trucs qui chargent, normal. Hein? Ouais, voilà, ça fonctionne au moins. En effet, je pensais qu'aucun jour ne serait plus sombre que celui de l'éclosion. Et j'avais tort. Bah oui. La chef de guerre a été retardée, elle rassemblait l'arrière-garde. Trop pressée de se venger, les braves sont tombés dans un piège. D'un coup, des dizaines de morts. Ah bon? Si Sona n'était pas arrivé pour nous rallier, nous aurions tous été massacrés. Varl m'a envoyé chercher Sona. Tu sais où elle est en ce moment? Je peux seulement te dire où je l'ai quittée. Près de la tour de métal, au sud-est des ruines de la soif du démon. Regarde la côte juste là. C'est la clé. Oh putain. Je me dirige vers les terres pour dire ce que je sais à Varl et aux autres. Que la toute mère te prête sa force. Toute seule, t'en auras besoin. Ok. C'est le pouvoir de la mort ou quoi? Bah oui, il a peur. Bon, 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 bon. C'est quoi ça? Ah, son cheval. Ok. Je sais pas comment on a eu dans l'épisode, mais... Ouais, ouais, ouais. Oh, qu'est-ce que t'as toi? Je peux peut-être le scanner. Moi j'ai une nuit tranquille. Ouais. Oh merde. Je peux pas encore la pirater. Je dois en apprendre plus. Tais-toi, bordel. Laisse-moi prendre tes trucs. C'est toi aussi. Quand même, à des secondes près. Bah, apparemment, il y a un truc là.
Ouais. Je risque de le regretter. Bon, bien sûr, j'ai prévu un peu le truc hein, pour les batteries. Je vais vous faire des trucs pour les. Je vais vous marquer. Comme ça, la première, la deuxième, la troisième batterie, comme ça, il n'y aura pas de trucs. Mais il faudra suivre les vidéos, quoi. Pas de trucs. Exactement comme Rost l'avait décrit. Le signal doit venir de sa tête. Bon. Je dois grimper là. La prévention avant tout. C'est comme ça. Ah ah, je t'ai vu toi. Alors, il y a un signal, normalement, apparemment, je sais pas. Bon, il y a un signal, mais... Où il vient ce signal? Pas de problème. Ah, il vient là. Ça doit être là-haut. Alors, la question, comment y aller là-haut? Enfin, se téléporter comme dans... Comme dans l'ombre du Mordor, Shadow of War. C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as ramené encore? Oh là là! Oh là là! Ah non non! On a fait une folie! Non non non! Trop, c'est trop pour moi! Attends, il y a encore les éclairs! Non! Non non, au revoir! Oh là là, c'est trop gentil! Ah. Mais trop gentil! Oh là là! Ah grand frère, mais merci! Ah d'accord. Ah d'accord. Ah merde. Ah ça c'est à cause de lui ça. C'est à cause de lui que j'ai tout le talent. Oh là là, mon dieu, j'ai dit, je sais que j'ai dit beaucoup dans la last vidéo mais... Et... Non. Oui je sais mon petit babouin. Je sais babouin t'en as envie mais... trop pour vous aussi ceux de la vidéo. Bon j'essaie de voir comment monter mais je pense que j'ai trouvé la solution. C'est de monter tout simplement. Je sais pourquoi je suis descendu. Pourquoi je suis descendu moi? Ah ouais. Trop de volonté. Trop de volonté tue la volonté. Attends. Je vous très je sais que vous comprenez rien dans la vidéo mais. Ah il faut juste l'attendre. D'accord. Mais what? Oh là là, où il est? Je sais pas où il est. Derrière, il est là, il est là. Bon bah, il est juste à attendre. Prenez l'élan. Et on va se quitter là-dessus, malheureusement. Je ferai une vidéo tout de suite après celle-là. Bon, tu peux attendre sa tête. Histoire de rater rien de mes vidéos. Et moi aussi, ça me détend un peu aussi de genre mode normal et tout ça. Voilà. Le grand coup se souvient de tout ce qu'il croise et envoie les infos aux autres machines. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Même à tout de suite. Pour cette vidéo.